Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur WWE Supercard pour. À pouvoir faire le retour de Louis, quand tu es retour de Louis, parce qu'il va savoir en 4h36 minutes. C'est cool ça. Ah, encore, tu m'as toujours avec Ivar. Ok, d'accord, bon, on est en train de perdre, hein. TVG. Ah, Shimoto Lori. Mais bon, c'est à peu près les mêmes, hein, de toute façon. Justice, Zack Ryder, Lucas, Chiusso, Kyoko Tokins, Chiusso, Anderson, Jerick, et Ivar. Voilà. Non, je pense qu'on va perdre. On se va perdre. Une goulette. Un calme. Non, TG. Bon, lui maxé, c'est sûr. Lui maxé. Ouais. Bon, ça va être dur de les battre, hein. Ouais, il est très très dur. Rip. Ouais, bon, on va perdre, c'est sûr. Il y a max. Il y a max, ok. Ma manie, bon, ma up, au revoir. Le max, ok, on y retourne. Oula, attention, hein. Attention, hein, TVG primaire, hein. Et on a un intelligence primaire en plus. Hein. Si on perd, bah. On aura que ça. On aura ce cochon à primaire, ce cataclysme, bah, ça va 5009. Il va faire attention, hein. Mais ça va être chaud. Hein. Du coup. Alors, je vais vous montrer mes cartes. Mes récentes cartes primaire et. Cauchemar. Hop. Voici mes récentes cartes. J'ai eu Becky Lynch en pro. Becky Lynch en pro, cauchemar. Ça, c'est cool. Après, j'ai Gobligou qui est en pro. En pro fortifié, hein. Mais bon, il n'a pas augmenté de niveau, malheureusement. Il a juste gagné quelques XP, mais bon, il a gagné pas trop de niveau. Après, on a ma Phoebe première, c'était Brock Lesnar. Donc voilà, une bonne Phoebe. Brock Lesnar. Roman Reigns, est-ce que j'ai eu dans un paquet à 200 crédits? Ouais, j'ai eu dans un paquet à 200 crédits. Après, Boogeyman, que j'ai eu en récompense TVG. Kane, que j'ai eu en pioche. Rhea Ripley que j'ai eu en. Dans un pack à 2000 LP, ouais. Et Luke Gallows que j'ai eu en RTG. Et les autres, bah. De l'autre soutien, Miss Elizabeth. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les faire du. Du coup, je vais voir dans les messages. Dixon.
Alors, tech, ce qu'on va faire pour commencer. Bon, on va commencer par RTG, hein. Allez, retour de l'Oris, c'est parti. Quand j'ai un petit peu le Dove Ziggler, même si on va pas l'avoir, mais bon. Hein. Bah, c'est dit, hein, tant pis. On va tenter le Dove Ziggler. Hop. Allez, Bacon Ribs, on y va. Alors, c'est parti, maître Trish Stratus. Envie d'être John Cena. Hop. Match one only Savage et Stop Black. Allez, cocher, parfait. Ensuite, on va mettre au Brock Lesnar. Non. Hop, on a sécurisé Kane. Mettre au Cooley Cooker. Ensuite, Razor Ramon, Seth Rollins. Et regardez ça pour finir. It's a win. Pete Dunne, perdu. Mysterio perdu. Bailey perdu. Ah, ça gagne. Et là, c'est perdu. Mais il y a même une égalité 7 partout. C'est pas si mal que ça. 7-6. C'est très bien. Mais... Ouais, bon, sans un serment, il faut avoir Dolph Ziggler, ça va être chaud un peu. Hein. Ouais, on va continuer un peu le RTG, hein. Ouais, on va continuer un peu le RTG. Hop. En plus 3. Alors, non. Non plus. Non. Non, ah, il décoche ça en lui. Elle est partie, c'est cauchemar, on y va. Plus 3, let's go. 9 minutes, d'accord. On va en faire. Ouais. Donc, enfin, elle est partie. Le Rumble, je ferai après. Je ferai hors vidéo le Rumble. Alors, du coup, on va être tac-tac. Hop, j'ai une parfait. Hop, c'est gagné aussi, parfait. Ensuite, Becky Lynch. C'est gagné également.
Hop, Macho Man. C'est perdu, forcément. Parfait. Bon, c'est pas dit. Yep. Alors, ensuite, on va être Stormlack et Shutton machin. Benjamin. C'est ce que je gagne. Tant pis. Mince. Parfait, oulo. Ça y est. Tanya. Mysterio, bon, j'espère évidemment. J'espère aussi. Oh, je gagne. J'ai eu vos cauchemars maintenant. Parfait, ça. Hop. Jump kick. Et au finir, voilà. Mysterio, d'accord. Ce serait cool de pêcher une primaire en une vidéo. Une première en une vidéo, ce serait cool. Mais bon, je pense que ça arrivera pas. Et on continue, tac. Mais peut-être pourquoi pas un cauchemar. Ce serait quoi un cauchemar en une vidéo? Un cauchemar en pioche. On va voir. Être aussi une pro. Hein. Allez, on continue. Hop. Alors. Mettre. Tiens, mettre. Cette ruine pour changer. Et ça serait faire l'affaire. Et ben non. Macho Man. Yep. Brock Lesnar et Brock Lesnar. Nope, c'est perdu. Tant pis. Ok, ensuite, bon, là je perds 2-1. Alors attention, deuxième manche. Mais on va travailler sur Black et je perds. Non. Non, je gagne. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, quand même. Et non, là je gagne. Yes, c'est bon. Je gagne. Très bien. C'est rien. Ah, c'est bien. Attends. Bref. Fais éviter les pires. Ceci en musique du sang, bah, copyright, c'est sûr. Copyright dans la vidéo. Hein? On fout. On la sonde partout, attention. Oh là, j'ai bien. Yep. Et je sais plus.
Les gobelets. Oui, ils sont. Jump kick. Parfait. Et pour finir. Voilà. Et c'est win. C'est des 6, pas mal. Un 10 en 16, bon, on est petit à petit proche d'avoir Dovzilia. Ils ont Dexter Lumis, bon. C'est pas le meilleur, malheureusement, Dexter Lumis, hein, mais bon. C'est un idiot, hein. C'est celui qui a fait partie du Breakout Tournament à NXT. À NXT. Non, bien sûr. Un petit peu de carnage, on y va. En gros, on a plus chaud maintenant, on est obligé d'affronter que des cauchemars maintenant. Parce qu'il y a plus de SummerSlam Z++. Donc, c'est trop moins facile maintenant de gagner. Hein. Soit l'un, soit l'autre. Soit la victoire, soit la défaite. Alors, du coup, on commence par quoi? On commence par Seth Rollins. Kessie Win. Ensuite, va être Goblet Goku avec Ricochet. Je pense que je vais grinder le RTG. Hein. Je pense que j'essaie de grinder le RTG pour essayer d'avoir Dovzilla. Donc, on va essayer de grinder le RTG. Je vais pas faire le Royal Rumble, je vais juste attendre que le RTG se termine. Comme ça, je fais le Royal Rumble et après, bah, c'est tranquille normalement. Mr. Black. Non, j'ai pas vu le message. Je sais pas si les bagues syndiquées c'est le meilleur pour le moment. Je pense que les bagues syndiquées sont un peu plus. Sont meilleures, je pense. Les bagues syndiquées. Parce que les bagues syndiquées c'est primaire à. Cataclysme à primaire. Donc t'as moins de chance d'avoir une première, donc quand si en 25 tickets, t'as deux fois plus de chance d'avoir une primaire. Bon, il faudrait que je teste, Hop. Et pour le moment, donc, on va continuer un petit peu les RTG, hein. Vu qu'il reste encore un peu de temps, autant en profiter. Hop. Hop, parfait. Je vais Stratus. C'est 3. On va être Brock Lesnar. Je pense que c'est où? Non, pas où. Tant pis. On va être Château de Magin. Non. Pas Win non plus. Hop, Chef Hardy. C'est Win. Oh, Fandango. Yes.
Oh, DJ Peck Orton. Et Fandango. Pas mal ça. Donc voilà, la vie est cochon maintenant, c'est cool. Grâce à Ember Moon. Ouais, je pense, être Ember Moon. C'est cool ça. Alors, quand je suis un peu RTG, il reste encore des accès à faire. À 13 minutes, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être compliqué. Mais je n'abandonne pas. Je vais continuer à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a encore une minute là. Ouf, 20 minutes, d'accord. D'accord. Donc, juste après les deux parties. Oh, The Boogeyman. Oh, mais ça fait une pro pour moi, ça. Boogeyman. Ah, mais j'espère qu'aujourd'hui, je vais ouvrir un pack à 10 000 LP aujourd'hui. Peut-être demain, je sais pas. On verra. Sur Player Rumble, il y a le. Il y a quoi déjà pour le Rumble? Il y a le. L'Elimination Chamber, c'est ça, non? On se doit être l'Elimination Chamber. Ah non, normalement. Normalement, si c'est ça. C'est ça. Si je me trompe pas. C'est bien l'Elimination Chamber pour le Rumble. Royal Rumble. Star. Hop. Oblique Booker, parfait. Walter, wow. Mais donc la chance qu'il y a. Ah oui, bah oui, il a conservé ses tickets. Il a conservé ses tickets. Il a conservé ses tickets pour les ouvrir dès qu'il arrive au prochain tiers. C'est cool ça. Le replay, bon, il avait perdu, c'est sûr. Elle est finie. La fille sort pas copying. On fait troisième vidéo hein, sur 2.8.15 et séance 6. Hein. Troisième vidéo. Toutes les 4 minutes, c'est pas. Et 8 à 4, c'est parfait. On continue, hop, le plus 3. On est à 122. Oui, 122. On se regarde aux 113 points mètres. Pour avoir Dolph Ziggler en primaire. Mais c'est les choses d'avoir. Je vais tout tenter. Hein. Je vais grinder jusqu'au bout. 72 reset, c'est cool. Toujours pas de pioche cauchemar. Hein. Malheureusement, mais bon. On essaye. Hein. On va aller jusqu'au bout. Allez, Dolph Ziggler, tac. Alors. Tiens, Fandango, allez hop, on y va, c'est parti. Let's go. Après, ça aura plus que 110 points à mettre, ça va être chaud. Hein. À moins que j'arrive à piocher des plus 6, ce serait cool, mais bon. Hein. Il y aura des doubleurs. Ça, c'est vraiment serait plus vite des doubleurs. Tac. Je viens de parfait. On va se donner un accès de la vidéo. Après, ça va être là. Hop, Macho Man, Randy Savage. Oh yeah, dig it. Sacha. Bah, Bailey, bah, il perd. Hein. Entre Sacha Banks. Ok, ensuite alors.
Entre Pidden avec Brock Lesnar. Il y a que je perds, sinon c'est pas drôle. Seth Rollins. Je perds, évidemment. Samoa Joe. Brock Lesnar, parfait. Trois partout maintenant. Manche 3 sur 4. Alors. Maître John Cena. Non. Raté. Ensuite, maître Ripley va se rater aussi, non? Non, ouais. Presque raté. Presque raté. Mais bon. Tant pis. Et là, c'est gagné. Yes. Bon, là, tu as peut-être l'occasion de revenir à te gagner, là, je pense. Ouais, ça bug un peu. ensuite, notre Jeff Hardy. Ah, non. Dommage. Pense que c'est mort, hein. 6-4. Becky Lynch pour sauver. Pour sauver, ouais. Ouais, Becky Lynch, heureusement. Alors, attention. Trish Stratus. Oui, c'est bon. Nice. Attention, Velveteen Dream. Oui, la victoire à portée. Merci, Dream. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur WWE. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ma nouvelle aventure sur WWE Supercard. La saison 6. Il y a les amis, il y a la saison 6. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus sur mes précédentes vidéos. Et sur ce, bah, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine!